Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce petit gameplay pour vous montrer un petit peu le piratage CTOS, les tours CTOS. On retrouve beaucoup de piratage bien sûr dans le jeu, et notamment le piratage des CTOS dans les missions, où on doit débloquer et pirater les routeurs. Et là, c'est pour débloquer les quartiers, les missions de quartier en fait, tout simplement. De ville, de quartier, oui. Et donc voilà, on se retrouve toujours face à une petite porte qui est fermée. Et en fait, on a toujours ce petit conduit blanc qui nous mène jusque l'endroit en fait où sont cachés les routeurs et où il faut aller les débloquer. Donc là, je vais fouiller, hein, puisque bien sûr le test, je l'ai fait en direct, sans avoir testé avant, évidemment. Quand même plus intéressant de vous montrer comment c'est en fait pour rechercher tout simplement. Donc voilà, donc là on voit que le fil blanc part de l'autre côté, donc faut trouver un moyen d'aller de l'autre côté pour déverrouiller le boîtier qui nous ouvrira la porte et qui nous servira à débloquer le CTOS. Là on voit qu'on peut pas passer par là, hein, autrement c'est la chute libre. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y avait une caméra, et avec les caméras dont on sert partout dans le jeu, bien sûr, on peut se rendre d'un accès à un autre, voilà, comme là, et voilà, on va trouver le petit boîtier, voilà, on le déverrouille, ce qui va nous permettre de rentrer par la porte de la tour CTOS pour la pirater. Souvent, ils sont équipés de deux. Là, il n'y en a qu'un. Là, on voit là, le petit boîtier. Là, il n'y en avait qu'un sur celui-là, mais la plupart du temps, il y en a deux. Et donc, voilà, on débloque le CTOS. On a piraté la tour. Et du coup, on libère de tous les côtés. Voilà, là, c'était des intrusions, en l'occurrence. Intrusions que j'ai mis en vidéo sur la chaîne. On pourrait aller voir le petit gameplay des intrusions. Qui est bien sympathique aussi. Donc voilà, on débloque tous les contenus, tout ça, etc. Je vous dis à bientôt. Bon Watchdog à vous, et à plus tard.